Eh bien bonjour à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue dans notre toute nouvelle aventure sur Uncharted 4. Ah, ça fait plaisir, chers amis, d'enfin s'y mettre. Je sais que ça fait longtemps. Pardon. Ça fait longtemps, qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a rien eu sur la chaîne, de toute façon pour pas changer les habitudes, hein, bien entendu. Toujours est-il que, on va se lancer dans cette aventure, je vais éviter de trop vous faire attendre. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà commencé une partie. Je la recommence parce que j'ai fait un premier épisode en fait qui au final ne me plaît pas du tout. J'ai fait ça. Enfin bon bref, je vais vous en parler un petit peu plus durant cet épisode. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc du coup, nouvelle partie. Conserver les bonus trésors et ceci, si tu veux. Bon, je vais pas ramasser grand-chose, il me semble. Visée automatique, blablabla. Tac. Continuer. Le petit chargement qui va bien. Je vous laisse la petite cinématique. Merde, non, c'est pas grave. Je vous laisse la petite cinématique d'intro et on se retrouve tout de suite après, chers amis. Ok, c'est parti! Alors, je vais pas mettre les sous-titres parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'immersion en fait avec tout ça. Après, ça parle. Il parle assez souvent. Dégage! Voilà! Il parle assez souvent, mais c'est pas trop gênant en fait. Je vais essayer de parler le moins possible pendant les séquences de discours. Voilà. Le but, c'est tous les faire partir en vrille, bien entendu. En tout cas, bienvenue, chers amis, bienvenue. J'ai un peu oublié les détails de. Voilà, ce premier épisode. Bienvenue sur PS4 en compagnie de votre très cher. J'allais dire votre très cher auditeur, mais ça ne veut rien dire, vous m'avez compris, c'est vous les auditeurs pour le coup. Casse-toi! Voilà! Sur PS4, sur Uncharted 4, chers amis, on va essayer de se faire cette aventure le plus calmement possible. Même sous. C'est très bien! Putain! Bordel! C'est la merde! Les laisse pas passer devant toi! Non, mais sans déconner! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Je m'en prends plein la gueule! Je m'en prends plein la gueule! Non, mais qu'est-ce que tu veux manœuvrer? Bordel de merde! Qu'est-ce que tu veux manœuvrer un truc pareil quand tu te fais tirer des putains de missiles en pleine poire? Oui, je suis vulgaire et oui, je t'emmerde. Planche, 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 planche. En tout cas, c'est très beau. Et ça fait plaisir. Tant, encore heureux, tu me diras. Nouvelle génération, en veux-tu, en voilà. Allez, go! Mais non, mais non. Ok, donc première séquence de gunfight, bien entendu, c'est le didacticiel. Alors, la visée a été grandement améliorée. Par contre, c'est super sensible. Elle a été grandement améliorée par rapport au précédent opus. C'est pas vrai. Comment on recharge déjà le triangle? Il n'y a pas de visée auto, hein, au cas où. C'est juste que je suis extrêmement bon. C'est beau! Normalement, il y en a deux qui débarquent. Alors, oui, j'ai déjà fait cette première partie en fait. Je suis pas allé très loin. Et comme j'ai dit, oula! Comme j'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi
parce que j'ai décidé de recommencer en fait. Pour des raisons qui sont extrêmement simples. Bon, je vais essayer de me concentrer un minimum quand même. Mais c'est éviter de faire trop le con. Tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Voilà, merci. Ok, allez, go. Ça fonctionne. Go. Je m'en prends plein le cul. Ouais, des rochers, mais c'est pas grave. Au pire des cas, on s'en prend un. Bon, c'est pas un drame. Ce virage qui n'était tellement pas réaliste. Voilà, je suis en train de mourir IRL, tout va bien. Tout va bien se passer, je vais crever pendant quelques minutes. Et je vous retrouve tout de suite après. Fuck. Et merde. Nathan. Oui. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Et nous voilà donc partis dans le chapitre 1, l'appel de l'aventure. Et on va s'empresser d'avancer. Je vais essayer de me concentrer un maximum. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, de manière, on passe notre temps. Voilà, bon, ouais. En fait, je vais avancer le plus vite possible pour la simple raison que... c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de refaire cet épisode. Parce que ce passage, en fait, ce didacticiel d'intro, je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, mais bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, est très long. Est très, très long. Beaucoup trop long. Voilà. Donc, du coup, je vais avancer. Je connais plus ou moins le chemin, donc maintenant, ça va pas être une énorme surprise. Il faut que je sois discret, effectivement. Et je vais faire ça assez rapidement, parce que c'est très long, et du coup, ça entachait énormément la qualité de l'épisode, à mon goût. Voilà. N'est-ce pas justement notre devoir d'aider les garçons comme lui? Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Discrétion assurée. Tu ne me vois pas? Je ne suis que l'ombre de ton ombre. Pardon. Tu ne me vois pas? Pourquoi t'as allumé la lampe là? C'est inutile. Non mais on est d'accord, c'est complètement débile. Ça ne sert à rien. Pas vu. Et elle s'allume une clope en pleine paix. Voilà, y a pas de... Je veux dire, quelque part... Attends. Caché.
Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Je ne suis que dans ton imagination. Ah, pardon. Ah, sœur Catherine, j'ai de nouveau oublié mes clés. Pouvez-vous m'ouvrir le portail ? J'arrive, mon père. Tu peux éteindre la lumière en sortant ? Non ? Bon, bah, te faire voir. Ok, allez, go ! Et donc, nous allons faire la connaissance de Sam, qui est notre grand frère. On en avait déjà entendu parler dans le troisième opus, me semble-t-il, si je dis pas de conneries. Sam, attends. Donc oui, je l'ai pas précisé, mais je pense que tout le monde l'aura compris. Quel abruti, j'ai failli tomber dans le vide. Je l'ai pas précisé machin, mais donc on incarne Nathan quand il était plus jeune, bien entendu. Tout le monde l'aura compris, voilà. Je préfère le préciser pour ceux qui ne suivent pas. Ok. Donc oui, j'avance en fait, voilà ce que j'expliquais lorsque j'ai tourné le premier épisode. Enfin, la première esquisse de mon premier épisode. Va bien se passer. Allez, grimpe mon petit. Ce passage est extrêmement long. Enfin, il est long quand on connaît pas le chemin. Enfin, le chemin est pas extrêmement compliqué à trouver. Je me perds dans mes explications, ça commence. Bref, j'avance. J'avance parce que sinon, bah voilà, parce que sinon c'est long. Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé ? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors ? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges ? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord ? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait ? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi ? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles ? On va dire que c'est une exception. Ouais. Joli saut. Allez, allez, donne-moi ta main. Dis donc, je suis léger. Ta sœur te donne pas à manger ou quoi ? Il y a personne là-dedans. Qu'est-ce qu'ils sont tous passés ? C'est une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille ? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir coupable. Bon, je vais pas parler beaucoup parce qu'ils causent beaucoup, eux deux. Donc je voudrais éviter de vous gâcher les discours. Oui ! Yeah, là-bas. Ah, bien se passe. Tout à fait. Allez, avance, mon grand. Non, parce que c'est à cause de lui, en fait, ça dure indéfiniment. S'il avance pas. Je vous spoil à la suite, mais rien à foutre. Tu l'as pas bloqué ? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs ? Bien, suis-moi. Regarde. Ça. Waouh. Et maintenant, on prend la voie des airs. Et ça, c'est cool. Une ou deux fois. Ça, c'est cool parce que ça amène un nouveau système de gameplay que je trouve vraiment, vraiment bien foutu, en fait. Il est extrêmement simple à prendre en main, vous allez voir après. C'est extrêmement simple, mais je trouve ça vraiment sympa, en fait. Ça. Du coup, ça permet de se déplacer complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Uncharted 1, 2 et 3. Et c'est vraiment cool, voilà. Je tenais à le préciser. Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille ? Qui ça ? Ah, Crystal ? Ouais, ça va sa vie, hein. En ce moment, c'est pas le top. Allez. Voir. Sans danger ! Si
Si c'est pas du saut de ouf, mon gars. Voilà, détends-toi, gamin. Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Ok, on prend de l'élan et on saute. Ça passe. Ah, c'est marrant, tiens, ça a pas fait pareil que. C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Que la première fois. Doigt dans le nez. Reste avec moi. La première fois que j'ai sauté, donc lors de mon premier rush là, j'ai pas atterri aussi loin, ce qui fait qu'en fait je suis complètement tombé dans le vide et il m'a rattrapé à l'arrache. Donc du coup ça donnait une tension qui était beaucoup plus intense, oui, tout à fait. Ouais, carrément. Donc du coup c'est pas mal, ouais, parce que c'est scripté, mais c'est pas complètement scripté. C'est bon, bref, c'est inutile, hein, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit un truc dans le genre, mais bon, voilà, c'est un petit détail qui est sympa à remarquer. Ok, bien, allez, on avance. En vrai, là, vous voyez, on en est à combien, là? 16 minutes d'enregistrement, à peu près. Donc oui, je disais, on en est à 16 minutes d'enregistrement. La première fois que j'ai fait ça, je crois qu'on en était déjà à 25 minutes ou un truc dans le genre. Donc voilà. Bon, faut dire que j'arrête pas de causer puis de m'arrêter. Donc ça, va falloir que j'apprenne à changer ce petit détail chez moi. Allez, go! Oui! Oui! C'est délicieux. Allez, dépêche-toi! Tu rangeras ton truc plus tard, là. D'accord, j'ai fait un saut en parallèle. Ça veut rien dire. Allez, vas-y, grimpe au clocher. On est obligé de faire le tour parce qu'il est pas foutu de faire un saut de 30 cm de plus haut que ce qu'il a, que ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Allez, go. Allez, allez, allez. Et on y est. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. Alors ce que je disais, on a une belle vue, oui, par contre faut pas regarder trop loin. Hein. Tu vois la pâte à sel là qui est là-bas, faut pas trop y faire attention, parce que. Oui, c'est de la pâte à sel, tout à fait. C'est une espèce de. Je sais pas si tu sais ce que c'est que de la pâte à sel. Si tu sais pas, bah écoute. En particulier non. Google est ton ami. Tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Ok, bon. Je vais me taire. On arrive presque à la fin de cette séquence. Allez, reste ici et tu me regardes. Je suis désolé. On était censé le regarder. J'ai tout foiré avec la caméra. C'est pas grave. Allez, go. Allez, allez, allez. Oui. Allez. J'ai réussi. Ouais. Les doigts dans le nez. Ou presque. Bien, suis-moi. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? Ouais, trop aimable, l'ami. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. Voilà, donc on a juste besoin d'appuyer sur L1 pour lancer, enfin de rester appuyé, vous voyez, pour faire oui, 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 et se taper la classe totale et ultime. Et en fait, il n'y a pas besoin de viser, donc du coup, c'est assez intuitif. Ça vise plus ou moins automatiquement. Et puis bon, bah après, en avant quoi. Ouais. Allez, allez, ça passe. Okay. Voilà, et la corde s'est téléportée dans sa poche. Bon, pas de soucis. Ouais, non, mais descend. Non, faut que je passe devant parce que sinon c'est pas raccord avec la cinématique. Voilà. Oui. Et voilà, c'est beau, c'est magnifique. T'as compris ce que je voulais dire, oui. Je ferme ma gueule. Et nous voilà dehors. En moins de 2. Super. Comment tu la trouves? Hein?
Wow, t'as une 250? Une 250? Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, hey, c'est pas très sympa, ça. Bah, justement, puisque t'abordes le sujet, bah, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours, d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, deux quand ou tu sortiras... Trois ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hé, hey, on n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? T'es prêt, champion? Carrément. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Va a falloir faire mieux si tu veux te débarrasser de moi. Acabemos con esto. Je t'attends. Et c'est parti, didacticiel de combat! Qui est extrêmement bien foutu. Enfin, par rapport aux autres opus, on va dire. On va dire qu'ils ont retenu la leçon depuis The Last of Us, quoi, les mecs. Lâche-moi! Oui, bah du coup je connais les touches, donc forcément ça devrait être vite réglé. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Lâche-moi. Aïe. Ouh. Ça doit faire mal. Oh! Ça aussi. Bim. Oui, parce que je vous rappelle, bien évidemment, que ce jeu a été produit par les studios... Enfin, produit et créé par la même occasion, histoire de... par les studios Naughty Dog, qui sont à l'origine de l'excellentissime The Last of Us. Oh! 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 Le poteau dans ta face, l'ami! Aïe, 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 aïe! Bouffe! Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me lâches! Ça suffit, idiota! Mate-le! Il était pas en train de se battre? Hein? Pas vrai, la Morton? Oui, matin, gringo, comme merde! Eh, fais-moi signe! Quand t'atteindras les pédales de la voiture! Je vais se calculer pour le culo! Solitaria! Cállalo! Je vous esperando aquí, eh? Abre. Allez, quoi? Combien de temps je vais devoir croupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. Alors, c'est pas la peine de me demander les sous-titres pour les passages en langue étrangère.
Parce que c'est sous-titré dans la langue dans laquelle c'est dit. Donc c'est complètement inutile. En fait, je l'avais fait, j'avais essayé et... c'est de la merde, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aimais pas, parce que ça, je trouve que ça nique le... l'immersion, vous voyez, avec des images pareilles, c'est juste sublime. Dommage, j'étais en train de faire un super rêve. Hé, 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 on se calme, doucement. Ah, ah. Pourquoi tant de haine? Et donc, chapitre 2, l'enfer sur Terre. Bonjour messieurs. Bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Alors bien entendu, je ne comprends pas un traître mot de l'espagnol ou de mexicain, je sais pas trop quelle langue c'est exactement. S'il y en a qui parlent, qui pourraient me dire ce qu'ils sont en train de me balancer à la gueule depuis tout à l'heure, ça m'arrangerait. Bienvenue au Panama. Hey, gringo, vi lo que hiciste a Gustavo. A tes souhaits. Un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas, cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey, tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Ça va bien assez tôt. Te lo advertí. Bonjour. Excusez-moi de déranger. Non, mais je cherche les toilettes, en fait. C'est possible d'avoir un petit peu de intimité. Ah. Ça va, monsieur? Bon, bah, bonne journée, hein. Allez, moi j'y vais. Voilà, calme-toi. Putain, mais pourquoi tant de haine? Où tu m'emmènes? Tu vas bien voir. Por favor, para, para. Je commande pas trop parce que voilà, je vous laisse vous imprégner de l'ambiance générale de la chose. Parce que c'est quand même magnifique. Non, ça a pas l'air louche du tout. Pas du tout! Non, je mais là. Pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Mais on visite les lieux, calme-toi. À gauche, qu'il a dit le grand-père. Ouais, c'est bon. Je vois pas pourquoi je dis que c'est un grand-père, parce qu'il est pas forcément. Super vieux, mais bon, bref. Je sais pas. Me pose pas de questions. Me pose pas à cette heure-là. C'est pas la peine. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis.
Et alors, qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Ok. Donc impeccable, nous voilà libres, comme l'air. En tout cas, regardez-moi ce panorama, c'est juste magnifique, encore une fois. Je vais me répéter, de toute manière, je risque certainement de le dire 150 000 fois durant cette aventure. Mais en même temps, c'est beau, et il faut savoir le préciser. Ok, bon, bah du coup, vu que je connais le chemin, on va pas traîner, voilà. Les doigts dans le nez, absolument. On va aller récupérer notre matos, faire gaffe au puits qui me semble être un putain de piège à con, hein, on est bien d'accord, voilà, donc je vais éviter d'aller dedans quand même. Et on va récupérer notre cordage. Enfin, les affaires reprennent. Tout à fait. Très bien. Donc me demandez pas ce qu'on fout dans cette prison espagnole, j'en ai aucune foutre idée. Ça devrait faire l'affaire. Je suis pas encore allé assez loin dans cette aventure pour le savoir. Et de toute manière, même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Voilà. Faut quand même laisser une part de mystère dans toute cette aventure. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? Ah, quelle question, l'ami. Parti. Oui. Et ça, c'est classe. Et ça, c'est super classe. Ça déglingue. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Comme système de déplacement, je trouve ça vraiment vraiment pas mal. C'est du déjà vu, hein. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un jeu vidéo. Clairement. Mais dans un Uncharted, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, moi, je dis ouais, carrément. Carrément, pourquoi pas, je suis complètement OP. Nyeh. C'était couru d'avance. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas marrant parce que j'ai plus la surprise pour le moment. Vu que je connais déjà tout ce passage. Je sais déjà ce qui va se passer. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Je pourrais essayer de glisser par là. Je me rends compte que c'est le genre de jeu... Quand tu le fais la première fois... J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Quand tu le fais la première fois, disais-je... Bien entendu, il y a plus de surprises, il y a plus de découvertes, etc., etc. Et donc, c'est pas que c'est moins intéressant à refaire une deuxième fois, hein, je dis pas ça, mais regardez-moi ce panorama, qui est juste génial. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, c'est que de la flotte, hein, tu me diras, c'est de la flotte, et puis des nuages, du brouillard, voilà, bref. Mais en soi, c'est beau. Oui, il me faut pas grand-chose, mais bon, voilà, quoi. Moi, je demande pas grand-chose pour être émerveillé. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Hein. Faire quelque part. Là, ben, c'est vert, il y a de la pierre, il y a de l'eau. Bon, voilà, ça me plaît, c'est beau, c'est superbe. Imagine que tu vois ça et RL, franchement. Je trouve la cellule la plus haute. T'es sur le cul, quoi. Ok. Par contre. Ce qui me semblait. Je sais plus du tout comment on y accède en fait. Je suis en train de me rendre compte, je sais qu'il arrive un moment... Ah, faut passer par les fenêtres, je crois. Je sais que j'allais dire, justement, il arrive un moment, il faut qu'on rentre à l'intérieur et pas forcément par la porte d'entrée. Que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Non, c'est pas si compliqué que ça à croire. Quelque part, parce que c'était alors, un peu... Et maintenant. Alors, il y a un bug qui est bizarre, d'ailleurs. Vous voyez, il y a plein de petites particules, là, qui font référence à de la poussière, j'imagine. Et ah, ça le fait plus. Ça le fait plus, d'accord. Dès que je bougeais la caméra, en fait, elle disparaissait complètement. Ah, si, d'accord. Ouais, bah, c'est l'effet de bon. Bref, on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Ok. Et donc une chose qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup avec ça.
Quand on appuie sur L1 qu'on tire, ça nous permet de dégager certaines parois avec cette corde, et ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il arrive à l'enrouler autour de sa ceinture comme ça, avec une main, et c'est génial. Il y a même des fois, elle se téléporte complètement dans son pantalon, et ça c'est encore plus cool. Allez, faut bien le reconnaître, c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est exactement ce que je disais. La magie du gameplay. Oh, j'avais pas fait gaffe à ce petit visuel qui est vraiment chouette. Alors, il y a une nouveauté sur PS4. Je sais pas s'il est actif, là. Mode photo, voilà. Il y a un mode photo, en fait, qu'on a dans pas mal de jeux sur PS4, qui nous permet, en appuyant là, bim, sur les joysticks, qui nous permet de prendre des photos et d'avoir certains points de vue qui sont vraiment chouettes. Et ça rend l'image très nette, très... Enfin, vraiment super bien foutu, je trouve. Je trouve ça vraiment génial, en fait. Bon, tu le fais pas tout le long de ton jeu, mais tu vois, ça permet de voir certains détails, comme le fait que les doigts de Nathan sont super bien positionnés. Voilà. Non, mais vraiment, en plus. Mais enfin, voilà, ça permet de voir, de prendre certains clichés qui sont super chouettes. Bref, voilà, je tenais juste à le dire. Par contre, comment je quitte ? Oui. Non. Oui. Voilà. Merci. Donc c'est assez chouette parce que ça permet de prendre certains clichés pendant le jeu, pendant que t'es en l'air, pendant que t'es en train de sauter ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment cool. Voilà. D'ailleurs, je m'en suis servi énormément lors d'un playthrough qui ne devrait plus tarder à arriver sur ma chaîne. C'est la cellule de Burns. Et qui devrait vous plaire, en tout cas, je l'espère. Ça ressemble plutôt à une suite. Ça ressemble plutôt carrément à une énigme. Par où commencer ? Bon, je connais la solution, du coup. C'est un peu con, mais bon, je dis, ouais, c'est pas extrêmement compliqué. Les bouillies et ses rayures doivent bien avoir un sens. Voilà. Et en fait, un truc que je trouvais vraiment génial et impressionnant, c'est que... Attends, je vais déjà déclencher l'énigme, voilà. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ce petit logo-là, en fait, ça représente le pavé tactile qu'il y a sur la manette PS4, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. Je le précise ! Non, mais je le précise, parce que... C'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors... C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Bah franchement, j'aurais été tellement pute que j'aurais pas dit ce que c'est comme signe, parce que... S'il y a bien un truc que je connais pas, c'est ce genre de conneries. Bref, donc Sagittaire et Scorpion, nous avons le Roi Soleil et la Lune, machin, bref, on s'en fout, la merde, ça ne sert à rien, en fait. Donc tout ça pour montrer que, voilà, on a Sagittaire juste là, qui nous indique le chiffre romain 10, et Scorpion qui est juste là, qui nous indique le chiffre romain 2. Et donc on a le 10 et le 2, et on part de là, en fait, dans cette petite énigme qui est extrêmement simple, hein, vous allez le voir. Mais ce que je voulais dire, en fait, ce qui m'a vraiment... ce qui m'a fait flipper, en fait, au début, lorsque je suis arrivé la première fois là-dedans, je me suis dit, oh putain, ça va être long, quand je suis arrivé devant ce genre de pierre, et que je vois que je peux interagir avec absolument toutes les pierres, et je me suis dit, oh putain, ça va être long s'il faut faire une espèce de combinaison à la con, machin. Et en fait, bon, bref, c'est rien de compliqué, j'ai passé 30 secondes là-dessus, c'est juste qu'il faut trouver le chiffre 12, en chiffre romain, tout simplement. Donc X, X et deux bâtons, en fait, ça me fait marrer puisqu'il le dit lui-même, et à ce moment-là, ça m'a fait penser au sketch des Inconnus, forcément. C'est Louis Croivet Bâton. Voilà. X et II. Voilà. C'est tellement débile, mais bon, bref. Regarde-moi un peu ça. C'est quand même super chouette. Ça doit être vraiment... Factice recipimus. Bon, je saurais pas vous dire la traduction, j'en sais rien, je fais pas de latin, putain, j'ai jamais fait de latin, m'emmerde pas, puis je suis sûr que tous ceux qui ont fait du latin quand ils étaient au collège, ils ont déjà oublié tous leurs cours, voilà, bref. Mais en tout cas, si jamais il y en a qui ont fait du latin. Ouais. Bref, voilà, il y a rien d'autre, rien d'intéressant de plus à voir sur cette petite statuette qui, ma foi, est
est plutôt chouette. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Alors, vous inquiétez pas, j'essaye pas de tricher avec vous du style, parce que c'est vrai que j'ai tardé à mettre ce premier épisode en ligne. J'essaye pas de tricher avec vous en vous disant, voilà, j'ai fait que le premier épisode, machin. Y en a qui pourraient se dire que, en fait, j'ai déjà fini le jeu, et que... La première marche est dangereuse. Et que je vous le fais, et que je le filme, machin, une deuxième fois. Non, non, non. Vous l'avez bien vu sur ma sauvegarde au début de l'épisode. J'en étais au chapitre 2. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai où est-ce que je m'y étais arrêté. De toute manière, je ne suis pas allé vraiment très très loin. Allez! C'est parti. Et maintenant... Allez! Aïe, ça c'est le mur. Allez, mon grand! Voilà. J'étais en train de me dire, en fait, ça doit être vraiment cool de retrouver des trucs comme ça, vieux de 200, 300 ans, comme ça, ça doit être vraiment génial. Enfin, il faut s'y connaître, bien entendu, mais... Allez. Merde. Faut que je regarde devant. Oh putain, c'était moins une. J'aimerais bien voir Ray faire ça. C'était moins une. Très bien. Ouais, ça doit être vraiment cool, franchement, honnêtement. C'est le genre de choses... que j'aurais adoré faire. C'était mon épaule. Si vous voulez un petit secret sur la vie privée de Nekros, chers amis. Voilà. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. En fait, il faut savoir que quand j'étais gosse, il y avait une chose que je rêvais de faire plus tard. Il y en a, c'est voilà, pompier, policier, enfin les trucs classiques, machin, genre. Enfin, pas policier, non, généralement c'est assez rare ça. Ouais. Non, mais genre voilà, pompier, médecin ou ce genre de conneries, machin. Le truc complètement classique que généralement tout le monde veut être quand ils sont gosses, ou aventurier ou genre de merde là. Moi, il y a un truc que je rêvais de faire quand j'étais gosse, c'était archéologue. C'est pour ça que ce jeu me parle au final, enfin cette saga me parle énormément, parce que voilà, de faire des recherches ou comme Tomb Raider aussi par exemple, bon c'est là, pas c'est pour possible. Les mêmes raisons, mais enfin vous m'aurez compris, pardon, je suis désolé, mais bref, j'ai toujours voulu faire archéologue, et en fait bon bah la vie a fait que j'ai emprunté un chemin complètement différent, et surtout que voilà, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout de... des études nécessaires pour ce genre de métier, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et enfin qu'il n'y paraît, non pas du tout, ça a l'air complètement énormément compliqué, donc bon bref, du coup voilà. Beau travail, t'as trouvé quoi, Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutrai une semaine. C'est un sacré acteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Oh la vache. Ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine. Rien de bien méchant. Allez, viens. Hey, oh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et Af. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête.
Tu l'as dit toi-même, c'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas, on n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de Stroira. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Muy tarde para hablar. ¿Qui no sales? Tu no te metas. La castagne! La castagne! Et là, il y a un truc qui est vraiment cool en fait dans ce nouvel opus. Ça a dû faire mal. C'est... Je voudrais bien essayer d'arriver à leur faire, en fait. Oh! C'est ça! C'est des attaques à deux, en fait. Quand on est avec un coéquipier, un ami ou ce que tu veux, je parle pas du jeu en ligne, quoi. Pff, oh là 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 là, cette prise de catch. Aïe! Quand on se bat à deux contre un seul mec, en fait, ça fait des prises, des combos, voilà, de ce genre-là. Et franchement, c'est super cool. Dingue-le! Bon, le combat est extrêmement simple, hein, de toute manière, il y a deux touches. Il y a rien de bien compliqué en soi. Lâche-moi! On n'y voit plus rien, on n'y voit plus rien. Je sais pas ce qui se passe. Je tape un peu dans le vide en fait, voilà, je me prends les coups, ça je le sais, ça je l'ai compris. Allez, crève, crève, lâche-moi. Oh putain, oh putain. Ah, ça fait mal. Oh, hey, mais lâche-moi. Ok, espera. Ya basta de hablar. Oh. No.
Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alínense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! Est-ce que tu fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que tu te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? Est sérieux, là ? Oh. Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pas ça qui va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Ah putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Abraham! Et merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Et stop, on s'arrête là. Oui, parce que c'est exactement à cet endroit-là que je me suis arrêté la première fois, donc pour ne pas ni me gâcher la surprise, ni vous gâcher la surprise, chers amis, je coupe cet épisode numéro 1 juste ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez hâte, aussi hâte que moi en tout cas, de voir la suite de cette aventure. Et bah écoutez, sur ce, un grand merci à vous tous, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et puis bah, à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, portez-vous bien, chers amis. C'est le plus important. Allez, bye bye.